L'école à la casserole, c'est le dernier album qui est sorti aux éditions Thérémanier, qui a fait sa rentrée des classes 2015, donc la dernière rentrée des classes. Il est sorti fin août. Le contenu de cet album, c'est le programme scolaire. Programme scolaire, primaire et début de collège. Et son originalité, c'est que c'est des recettes qui racontent ce programme scolaire. C'est 50 leçons recettes, donc on a des recettes mathématiques, des recettes grammaticales, des recettes historiques, géographiques, scientifiques, artistiques, même linguistiques. Et pour vous donner un exemple, une recette mathématique, ça va être la recette du 4 quarts qui va nous expliquer comme leçon celle des fractions. Comme recette linguistique, ça va être les recettes associées à la pomme en trois langues différentes. Donc l'apple crumble pour l'anglais, le rosti pour l'allemand et la tortilla pour l'espagnol. Voilà. Systématiquement, on a un titre de recette qui donne une vraie recette culinaire, celle du 4 quarts par exemple, très connue, celle du bœuf bourguignon, celle du pot-au-feu, et systématiquement, une leçon au programme, donc chaque fois, la leçon est exprimée finalement avec la nécessité de réaliser une recette qui va nous demander de temps en temps de découvrir les ordres de grandeur, les divisions, la proportionnalité. Pour une finalement recette, on a une leçon, simplement à la fin de l'histoire, les 50 leçons font le programme. D'abord, le livre est un livre coécrit avec une amie et auteure qui est prof au collège et donc qui connaît bien le programme. L'idée était de raconter et d'expliquer les recettes en faisant en sorte de les rendre un peu ludiques, de passer dans le loisir créatif pour expliquer les maths, le français, même l'histoire et la géo, pour que les enfants aient l'occasion de prendre un peu en main et de voir à quoi ça sert aussi finalement, à quoi ça sert les fractions, si on peut comprendre qu'on met 4 fois le même poids dans un gâteau pour la recette du 4 quarts dont on parlait tout à l'heure, à quoi ça sert de savoir effectivement reprendre le processus qui se passe dans une caramélisation, c'est de la leçon purement de physique-chimie. À quoi ça sert tout ce qui est vinaigrette. On a toujours une leçon adaptée à chaque recette. Les enfants sont réceptifs parce qu'en fait ça devient quelque chose de très ludique. On parlait du loisir créatif, on n'est plus du tout dans la leçon donnée par un professeur et l'enfant les mains vides perd un peu de l'attention. Là, par opposition, il est vraiment très occupé puisqu'il réalise la recette, il coupe, il découpe. Tout à l'heure, on a fait une recette de figures géométriques en prenant un gâteau qui est traditionnellement carré avec les 70 enfants qui étaient là, en le découpant d'une certaine façon, en faisant 7 morceaux, en leur montrant que le carré pouvait être découpé en N triangles isocèles et parallélogrammes, et ensuite leur permettre de faire pas moins de 2000 figures géométriques différentes, des chats, des poissons, des oiseaux, mais aussi des maisons, des étoiles, des choses comme ça. Donc vraiment, ils sont dedans et le carré et leur découpe, elle est fausse et elle ne marche pas si jamais leur angle n'est pas droit. Donc c'est quelque chose qu'ils orientent avec le couteau. Ils le sentent, l'angle droit. Ils vont le sentir beaucoup mieux qu'effectivement sur un papier de temps en temps. Oui.